Putain, le Danemark, il avait bien bien foncé là quand même. C'était un bel enfoiré pour revendiquer Angleterre. Ce qui reste de l'Angleterre en fait. Offre de se joindre à la guerre. Putain, il a deux guerres sur la gueule. Peut-être lui offre de se joindre à la guerre, non? Ah, mais s'il est trop puissant après. Non, on va rester tranquille quand même. On va rester tranquille. On va rester safe. Pour l'instant, toujours pas de traces de l'invasion barbare. Par contre, la France a pété. De mort naturelle, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a encore en guerre, lui? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse. Il s'amuse à... Quand Victor, il se fait pas chier, lui. Bon, mais lui, vraiment, il se fait pas chier, quoi. Le mec, il vient à peine d'arriver. Et déjà... Il fait chier. Non, mais de toute façon, ils veulent jamais mettre fin à les complots, c'est des enfoirés. Ah, mais j'avais plus le truc. Votre petite fille, pourquoi je tirais ma petite fille? X-Men, mais... Maréchal de Suède. Pourquoi lui? Ah, ouais, lui, il a un duché, effectivement, oui. C'est ça son duché ou comment ça c'est que c'est ça? Chez moi, j'ai été à lui. Mais il me semble pas. Alors, ah oui, ça, je peux pas faire la guerre en plus. Je peux les transférer à ma salle. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Oui, tu as tort. C'est qui lui? Et bon, d'accord. Bon, on s'en fout un peu quoi. Non, ma fille, elle est toujours. Ah non. Duché d'Orléans, il a la même gueule que le même drapeau que. Bref. Donc ça doit être sa mère. Sa maman, voilà, c'est ma fille. Trop classe. Donc c'est mon petit-fils. Là, c'est encore un pote à moi, dis donc. Oula, 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 là, 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 là. Alors là, par contre, là, mon gars, tu t'attaques à du lourd. Là. Toi, t'as pas peur, toi. T'as pas peur dans ta life, toi. Du coup, je vais te passer mes troupes encore une fois parce que là. Oh merde! Je vais me faire niquer les troupes. Comment ça se fait qu'il a déjà 5000 troupes? Enfin, je veux dire, qu'il est déjà. 5000 troupes comme ça là sur la terre alors qu'on vient à peine de lui faire la guerre. What the fuck? Oh, jamais il aura cette troupe. Hein. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop, hop, hop et hop. Et je vais me mettre avec mes poteaux. Voilà. Voilà, voilà, on devrait être pas mal là. 5000, 6000. Ouais, j'attendrai bien les potes là-bas derrière quand même. Hein. Ah, d'accord, il a déjà mis des troupes là-bas. Durant la bataille, vous avez chargé un cheval directement. La foncée sur les tirés ennemis avec des lumières rouges de leur sang. Oh, c'est joli ça. La classe. Une défaite? Une défaite de quoi? Ah oui, oui. Et qu'est-ce que t'attends pour attaquer, toi? Donc, les factions.
Le mec, je pense qu'il devrait renoncer parce que. Non, en fait, il est pas mal ce roi, hein. C'était merde. Hein. S'il récupère ça, ça va lui faire du fric en plus. Il est chancelier là. Défaite. Ah merde, mais c'est chez moi ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il attend pour attaquer lui? Rentre, lui, il balance, il y va. Est-ce que j'ai de la flotte? Cent hommes, merde. Ça peut suffire ça. D'accord, il est en train de transférer toute son armée là-bas. D'accord, il m'a même pas pris ce PD là. Mais t'es un espèce d'enfoiré. Bon, on va faire pareil que lui, hein. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Le 17 avril. Merde, je vais mourir. Et voilà. Bon, du coup, ça rentre. Voilà. Hop. Quoi? Comme héritier du royaume de Finlande, qui? Mais c'est qui lui? Merde, c'est vrai, je trouve pas moi. Oui, il m'aime d'ailleurs, mes vassaux. Je vais me regarder, je m'en fous. Il y a que lui qui m'aime pas. Bon. Est-ce que je lui envoie un cadeau? Oui, j'ai moyen. Je lui envoie un cadeau. Voilà, un petit cadeau, il sera content. Et je vais mettre troupe totale. Et oui, je vous ai niqué les gars. Bon maintenant il faut que j'améliore. Ah mais non, tu vois, j'ai comme ça. J'ai toujours Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire pour les revenus? Pourquoi je gagne que 10 maintenant? 8, 6, alors on va faire un bourg fortifié. J'ai 200, est-ce que je fais un camp de miliciens? Une fortification de château, une caserne. Qu'est-ce que je fais? Ah ça je peux le faire. Mais ouais, pourquoi commencer cette erreur? Bref, on s'en fout. Camp de miliciens, on va commencer par un camp de là, mais la caserne coûte moins cher. Bah ouais. Chantier naval coûte moins cher aussi, donc caserne. Hein. Et là j'ai pas d'autre chose à faire. Non. Non. Et là j'ai pas d'autre chose à faire. Fortification de château. Allez, on va balancer tout ce qu'on a en fric. De toute façon ça servira, ça sert tout le temps. Et on va aller. On va aller voilà. On va baisser. Contre, il est en train de se faire niquer toutes ses troupes là-bas. Mais il a tout gagné ici. Tant qu'il débarque pas ses troupes de là, ben ça servira pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah mon chat c'est lui, c'est vrai. Victoire. Bah c'est bon, on a tout gagné. Hop hop hop. Guerre de quoi là? C'est quoi la guerre là? Oula, c'est quoi tout ça qui nous aime pas là? Contre 8 princesses machin chose. Bon, oh putain merde, il a le royaume de Russie avec lui. Concrètement, le royaume de Russie c'est quoi? 4400 troupes. Et notre ennemi là, c'est une femme d'ailleurs. 5300, donc 10 000 à peu près, 10 000 troupes.
C'est pour quoi? C'est pour ça? Fou de ma gueule. En train de s'attaquer juste pour ça. Mais lui doit avoir beaucoup d'attaquer de troupes lui. Non, il doit avoir beaucoup de troupes lui. 13 900. Bon, ça devrait passer alors. Il devrait même se débrouiller tout seul. Il en reste beaucoup. Engager des mercenaires, parce qu'ils sont obligés. Bon, c'est bon, il se rend lui, 96%. Il va pas nous chier l'enfant là. Ah. Voilà, putain, il a même réussi à récupérer ce bordel. Hop, du coup, je défie mon armée. Putain, c'est un rôle sévère quand même, hein. Oh, la chirurgie. Je fais un petit coucou à mon collègue en passant. Hein, qui dans son let's play utilise la chirurgie. Hein, je te salue. Tu te reconnaîtras. Mais qui a fait mieux que ça quand même avec sa chirurgie. C'est un malade dans sa tête, il a fait la guerre partout. Donc voilà. Gna 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 gna, ne peut pas être encore marié. Ah, mince, je vais trouver quelqu'un de bien. Alors, c'est qui? C'est lui. Alors, tu veux te marier, mon gros. Tu sais que le mariage, c'est pas quelque chose de facile. Tu sais que... c'est pas vraiment évident de trouver... la femme qu'il faut. Je comprends que c'est pas facile, hein. Est-ce que ça vaut alliance avec le Saint-Empire, ça? Ça vaut alliance avec ça. Un premier mariage. Bon. Alors, par une orthodoxe, parce que c'est même pas la peine. Putain, il était bizarre, hein. Un truc un peu prestigieux là, non? Ouais, bon allez, on va pas se prendre la tête, hein. Bim bam boum, voilà, tu vas te marier avec une petite jeune qui a même pas, je sais même pas quel âge elle a. Elle a 2 ans, c'est ça? Tu vas se marier avec une fille qui a 2 ans? J'aurais peut-être dû regarder l'âge, le pauvre. Mais il a 38 ans, putain! Bon, tant pis, tant pis, tant pis. C'est ça, elle a 2 ans? Elle a 2 ans. Ouais, elle est quand même... ça lui indirige à compter, quand même. Qu'est-ce qui a gagné? Ah oui, oui, c'est nous qu'on a gagné. Oui, il a laissé ses troupes en plus sur la peste, là. Bon, alors, comment on est au niveau infrastructure? Alors, on commence à être pas trop mal. Des écuries. Est-ce que je veux des écuries? Moi j'ai des troupes cavalerie légère, des archers, j'ai pas beaucoup d'archers. Comme archer. Comme tir à l'arc, mais ça coûte la blinde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder améliorer le plus pourri peut-être. Ah mais il a pas fini son amélioration lui. Une petite caserne. Piquier, infanterie, même pas d'archer. Hein. Allez, on va faire un truc d'archer là. On va investir un peu. Votre fils. Ah oui, mon fils. Oui, 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 c'est mon fils, mon héritier. Mon héritier qui est un grand guerrier. Une espèce de guerrier de malade. Par contre, il est balafré. Ça, c'est pas top. Il veut devenir chancelier. Voyons. Il paraît que devenir. Il paraît qu'il devienne plutôt merde, maréchal, voilà. Donc oui, le bourg fortifié a été construit. Put, c'était où? C'était là, voilà. Fortification du château. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce que je veux ici? De toute façon, j'ai pas le choix. Ah, j'aurais dû faire
Ah, mais les murailles, je les ai déjà faites. Ah, il tient bien quand même, mon gars. Il meurt pas et tout. Ah, bah t'as mon fils qui va devenir intendant. C'est bien, mon grand. T'es un grand guerrier. Oh merde, j'ai des gamins à éduquer. Petite fille de qui? Ah, ça c'est intéressant. Non, je veux pas le marier. Oh, le roi Aragon, le roi de France, Philippe, roi de France. C'est pas mal ça. Il a quel âge? Il a 10 ans, elle a 12 ans. Bah, c'est pas mal. La maison où se caper. On va faire ça. Batterie linéaire. ouais. Arranger des fiançailles peut-être, non? Ouais, moi je ferai ça, moi. On va attendre un petit peu. Ouais, ouais, bah ça c'est comme tout à l'heure. Bref, vas-y mon grand, je m'en fous de toi. Putain, en plus je viens tout juste de lui trouver une femme, pour voir que ça lui a pas suffi. Donc t'as épousé, je me souvenais plus laquelle c'était. Bon, bah d'accord. Si tu meurs, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je dois éduquer les gosses, oui. Donc je dois toujours l'éduquer, hein. C'est très bien. Elle est fiancée au roi de France, ça s'appelle pas ça, de malade. Alors, éduquer un enfant, on va être éduqué par qui? Sûrement pas par le mien. Bon, par moi. Intendance, bien l'intendance. Tiens, voilà. Bah, c'est par son papa. Va être éduqué par le papou. Sophia. Alors, Sophia. Va être éduqué par qui? Bah, je pense que ça va être pareil, par le papou. Et le gamin, il va être éduqué par qui? Éduqué à l'enfant, éduqué par un martial. Par Elt. Quoique, on va quand même maximiser nos chances de martial, on va faire ça. Voilà. Hop. On va attendre qu'il finisse sa guerre. Enfin, non. Beaucoup de factions en fait. Ouais, mais je te. Bah, tu fous de ma gueule, toi, hein. Mais tu te fous de ma gueule, t'es mon héritier, bordel. Va en avoir un, fief, patiente. Donc, c'est toujours la. Oula. Il y a un problème. Pourquoi c'est passé cette couleur-là, là, pour... C'était tout Kiev, là. Alors, oula, oui, là il s'est fait rejoindre l'autre. Victoire. Victoire et deux défaites. Oula, putain, 8000 troupes. Bon. Pourtant, il avait les troupes, le mec. Ça fait combien de troupes en plus, ça? 2000, bah ils ont quoi, 13000 troupes à deux, putain, à deux grands royaumes, ils peuvent pas trouver les troupes là. Ils gagnent à 15%, donc je vais pas envoyer des troupes quand même. Chier. J'arrive à peine à gérer mes troupes à moi-même. Non, bah, allez-vous faire foutre. Par contre, je pourrais pas l'attaquer moi. Royaume, qui c'est qui a. Putain, ils ont créé un royaume. Le joyeux, ça c'est cool quand même. Mais c'est. Mais on s'en fout, il est païen, on peut pas le faire la guerre quand même. Putain, il s'est fait un beau royaume cet enfoiré là. Lui aussi là. Non, c'est pas un royaume, mais hein, c'est un canat, on s'en fout. Putain, lui aussi, il a quand même bien expandé. Ah la Géorgie aussi là, hop là, elle avance là. Ou elle l'avait déjà ça tout à l'heure. Je sais plus. Non, non, elle avait déjà pas là. Désolé. Ou par contre, l'Empire byzantin, moi, il s'est pété dedans, mais là, il a bien bougé aussi. Il a bouffé tout, là où il y a la Bulgarie, tout ça.
Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que c'est déjà pas mal. Je pense que ça fait déjà bien longtemps que je tourne. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. Tant pis, c'est pas grave. Donc, on va faire notre petit tour d'Europe. De toute façon, cette guerre-là, moi, j'en ai rien à foutre. Ça ne me concerne pas du tout. Bah, du coup, il a fait du bon boulot, le roi, hein. Parce qu'il a unifié, il a même réussi à faire la guerre à la Norvège, ce que j'ai toujours peur. Moi j'ai réussi justement, pendant qu'il était en guerre, à récupérer un petit territoire que j'avais de jure là. Donc moi j'ai tout le sud là. Pim pam poum poum, et j'ai là mon fils qui règne là-dessus. Donc voilà, j'ai mes 8 vassaux, dont toujours un qui m'aime pas. Pourquoi ne m'aime pas toi? Tu veux un cadeau? J'ai les moyens, tu veux un cadeau? Tu veux un cadeau? Tiens, je te donne un cadeau. Pas content? Connard. Grand aumônier. Et ça sent. Ah oui, mais ça coûte des sous ça. Non. Non, on va te faire foutre. On va te faire foutre ta camémé, puis c'est tout. Oh, ça c'est indépendant. Bref, allez, on va pas s'attarder à tout ça. Donc, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? D'accord. Il y a le royaume d'Angleterre, la capitale c'est là. C'est deux jours à la Norvège et là c'est à l'Angleterre et c'est la capitale. Le mec il ne vise même plus en Angleterre parce que c'est trop la merde. Il se fait toujours attaquer. Putain, la France elle a bien explosé par contre. Tout a pété partout. Ça me tombe bien, elle a mis ses capitales là-bas. Tiens, je vais regarder. Ah oui, mais non, mais là, ça va pas marcher, c'est sûr. Ça va pas marcher, c'est sûr. Donc après, je rien à boucher. Mais là, c'était le Mali. Je me souviens même plus qu'est-ce que c'était. Hein. Ça a pas beaucoup bougé. Il n'y a pas eu de recroisade encore. Depuis la dernière, on s'est fait éclater. Venise a grandi, non, un petit peu, là. Oui, il se la pète un peu, Venise, là. Puisqu'il y a toujours tout ça, là. Tout ça. D'ailleurs, ils n'avaient pas la Corse. Hein. Je crois qu'ils n'avaient pas la Corse au début. Donc voilà. Et là, ben, le royaume d'Abyssine, là, a disparu totalement. Et ça a un petit peu éclaté aussi, là. Un petit peu des morceaux de partout. Mais bon. Ça va. Donc voilà, bah donc je pense que ça va être tout pour cette session de jeu et ces épisodes. Je ne sais pas combien du coup ça va en faire. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce qu'on fait. Voilà, merci de m'avoir regardé. À la prochaine, ciao.